beaucoup et merci d'être là aujourd'hui pour cette émission sur le quart d'heure LQH, hashtag LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Alors je commence comme d'habitude par une citation, cette fois-ci je nomme Henry Ford à la barre, l'industriel de l'automobile, qui a dit « Que vous vous pensiez capable de faire quelque chose ou que vous vous en pensiez incapable, vous avez absolument raison dans les deux cas. » Eh bien la loi d'attraction, elle fonctionne de la même façon. C'est une croyance selon laquelle nous attirons à nous tout ce que nous pensons avec constance. D'après la loi d'attraction, nos pensées sont de l'énergie qui attire une énergie similaire. Autrement dit, en nous concentrant sur les pensées positives, nous pouvons vivre des pensées, des expériences, pardon, positives. Chiche ! Alors, je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'aide les femmes qui bougent comme toi à monter en énergie haute pour se préparer au bonheur. Mon truc, c'est les routines, parce que j'ai remarqué qu'on obtient de meilleurs résultats et surtout des résultats plus durables en intégrant de petites habitudes au quotidien, mais des habitudes qu'on répète suffisamment souvent. Mon but, c'est donc de t'amener à adopter ces routines pour bâtir une vie qui te ressemble. Alors, activer la loi d'attraction. L'idée principale qui sous-tend cette loi d'attraction, elle pourrait se résumer par « demande et tu recevras ». Alors, si on en croit Rhonda Byrne, qui est l'auteur du film et du livre « Le secret », la loi d'attraction, elle se pratique en trois étapes. La première étape, c'est « demande ». Demande ce que tu veux obtenir. La deuxième, c'est « crois ». Agis, parle, pense comme si tu avais déjà reçu ce que tu demandes. Et la troisième étape, c'est « reçois ». Génère la manifestation de ce que tu veux dans ta vie. Autrement dit, pour résumer cette pensée, il suffit d'y croire suffisamment fort pour faire advenir ce que nous voulons dans notre vie. Alors on va tout de suite mettre les points sur les i. Créer ou changer notre réalité exige tout de même un petit peu plus d'effort qu'une simple intention. Il faut aussi du travail, parfois du travail acharné, et puis parfois du talent et parfois de la chance. La vie, autrement dit, c'est pas un catalogue dans lequel il suffit de passer nos commandes, les fesses bien calées sur le canapé, et puis tant mieux puisque du coup nous sommes invités à faire usage de notre libre arbitre et à poser aussi des actes à la hauteur de nos ambitions. Et puis il y a encore d'autres facteurs à considérer pour vraiment activer cette loi d'attraction et nous allons y revenir. Mais avant, j'aimerais passer par un petit point historique, rapide, d'où vient cette fameuse loi d'attraction. Alors loi entre parenthèses, puisqu'il ne s'agit pas d'une loi physique, ce n'est pas une loi démontrée à l'heure actuelle en tout cas, elle a été conceptualisée par un mouvement philosophique et religieux qui est né dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis et qui s'appelle la nouvelle pensée. Alors cette nouvelle pensée, elle existe encore aujourd'hui et selon ses partisans, toute maladie est provoquée par des croyances erronées. Donc, le corollaire, c'est qu'il est possible de guérir en changeant ses pensées. Et ce même principe, selon la nouvelle pensée, s'applique à d'autres aspects de l'existence. Donc, une pensée dirigée vers un but déterminé aboutit à sa concrétisation dans la réalité. Voilà ce qu'est la nouvelle pensée. Alors, au XXe siècle, il y a deux auteurs en particulier qui ont écrit sur le sujet et il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres, mais les deux plus grands best-sellers de tous les temps, eh bien, ce sont des livres sur ce sujet-là. Le premier, c'est le fameux livre de Napoléon Hill qui est paru en 1937 et qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche »,« Think and grow rich ». Et puis, il y a le livre de Louise Hay qui est paru un peu plus tard, 1984, et qui s'appelle « Vous pouvez guérir votre vie ». Alors ça, c'est ce qui s'est passé début 20e. En 2006, plus près de nous, et en 2007, la loi d'attraction a vraiment connu un regain d'intérêt grâce à ce fameux film dont je parlais tout à l'heure, Le Secret, qui explique les principes de la loi d'attraction grâce aux témoignages d'auteurs, de conférenciers. Et puis, il a été tourné par une réalisatrice australienne qui s'appelle Rhonda Byrne et qui a connu un tel succès de bouche à oreille, une telle exposition médiatique qu'elle en a fait un livre l'année d'après. Donc 2006-2007, la loi d'attraction devient vraiment un sujet essentiel, central, repris par tout un tas de courants de pensée, parce que
que Rhonda Byrne, entre autres, le secret, en avait beaucoup, beaucoup parlé. Alors revenons sur ce secret qui est finalement pas si bien gardé, puisqu'on en parle depuis le début de ce podcast, de cette émission, c'est évidemment la loi d'attraction, selon laquelle, je le répète, nous attirons dans notre vie les gens, les expériences, les situations auxquelles nous accordons de l'attention, de l'énergie, de l'intérêt qui correspondent à la fréquence de nos propres pensées et de nos propres émotions. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé déjà, cette fameuse fréquence à laquelle nous vibrons. Et bien entendu, le corollaire, c'est qu'en changeant nos pensées, nos émotions, notre vie change positivement ou négativement. Et là, on arrive sur des pensées qui sont largement partagées par le New Age. Nos pensées et nos émotions créent notre réalité. Alors, je vais juste mettre quelques petits bémols. Je vais les appeler oui, mais, parce que je crois en la loi d'attraction, sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Mais, je le disais plus haut tout à l'heure, pour utiliser la loi d'attraction à bon escient, l'intention est nécessaire, mais non suffisante. Et il y a deux autres facteurs que je vous invite à considérer. L'un d'eux, ce sont les obstacles. Nous allons, sur tout cheminement que nous prenons, pour tout objectif que nous nous fixons, nous allons rencontrer des obstacles. Et lorsqu'on veut à tout prix conjurer les pensées négatives en disant « non, mais moi j'y crois, moi c'est que du positif », et bien ce qui se passe, c'est qu'on va nier. On va nier le réel. On va être dans le déni. Et la science, le bon sens déjà dit que c'est pas bien, mais la science a démontré en plus qu'en se préparant aux empêchements possibles, et bien c'est tout le contraire qui se passe. En réintégrant du réel, nous nous préparons à dépasser ces obstacles. En fait, en les anticipant, on va non seulement les anticiper, mais on sera plus efficace pour atteindre nos buts. Cette théorie a un nom, ça s'appelle le contraste mental. Donc, première chose, je ne suis pas pour le fait de dire que je vais bien, tout va bien, méthode couée, je répète. Je pense qu'au contraire, il faut savoir qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des difficultés, mais que je suis outillée pour les dépasser, je suis outillée pour les vaincre. Ça, c'est la première chose, je pense, à laquelle il faut vraiment réfléchir quand on s'engage là-dedans. Et le deuxième écueil de la loi d'attraction, c'est cette illusion de toute puissance. Elle est un peu dangereuse, je trouve, car elle peut se retourner contre nous. Pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas, en cas d'échec, donc, et on a vu qu'il y en aura, forcément, fatalement, eh ben, on va se dire, c'est parce que je n'y ai pas assez cru. Je n'y ai pas assez cru, quelque part, c'est de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Et on ouvre la voie, on ouvre même l'avenue pour une culpabilisation et pour un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, qui ne sont absolument pas nécessaires, bien au contraire, c'est bien tout ce qu'on essaye de détricoter au fur et à mesure de notre cheminement. Donc pour toutes ces raisons, oui, j'utilise la loi d'attraction, mais je l'utilise à ma façon, en y intégrant des éléments de coaching. Cette introduction était un peu longue, c'est vrai, mais je pense qu'elle est absolument nécessaire parce qu'on entend beaucoup parler de la loi d'attraction et puis elle est mise un peu à toutes les sauces. Et je pense qu'il faut rester réaliste et au contraire, l'utiliser à bon escient parce que c'est un formidable outil. Et pour moi, je l'utilise comme un outil au service de la réussite des personnes que je coach. Et si un jour, tu décides de faire quelques pas avec moi sur ces séances de coaching, eh bien, tu verras que je vais l'utiliser parce que je trouve que c'est un formidable outil. Et ce n'est pas parce que c'est une méthode sans fondement scientifique que je ne l'utilise pas. À ce sujet, je ouvre une petite parenthèse encore sur le fondement scientifique. Effectivement, la loi d'attraction n'a rien d'une science aujourd'hui. Mais n'oublions pas que nous n'avons pas pour l'instant les instruments pour le démontrer. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, cela sera possible comme ça a été le cas dans bien d'autres domaines. Alors, pourquoi je l'utilise dans mes séances de coaching ? Pourquoi je te propose de l'utiliser aussi, toi, à ta façon, à ta manière ? Pourquoi je t'invite à te l'approprier ? Moi, je cherche constamment à court-circuiter le mental et les raisonnements dits logiques lorsqu'ils bloquent, en tout cas lorsqu'ils bloquent et qu'ils limitent mes consultantes. Donc, si toi aussi, par moment, ton mental, par moment, tes raisonnements logiques t'empêche d'avancer, eh bien moi je trouve que la loi d'attraction elle est formidable pour ça. Elle ne repose sur rien de tangible, on l'a dit, et je n'insisterai jamais assez là-dessus. Et pourtant,
Elle me permet d'obtenir des résultats concrets. Pourquoi? Parce que d'abord, elle permet une clarification. En accordant de l'attention à ce qu'on veut vraiment, en disant, en énonçant ce que tu veux vraiment obtenir, eh bien, tu vas clarifier tes pensées et tes intentions. Ça va être le premier bénéfice de la loi d'attraction. Le deuxième, c'est qu'elle va te permettre de diminuer les peurs et les angoisses qui t'entravent, qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer aussi. Ces fameuses peurs paralysantes, parce qu'au lieu de te projeter dans un futur ou dans un changement angoissant, eh bien, ta projection va être neutralisée par des émotions positives et puis tu vas être motivé autour de ton objectif. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'utilise vraiment souvent la loi d'attraction, parce que de toute façon, et tu le sais très bien, un état d'esprit positif allié à une forte dose de conviction, eh bien, ça peut soulever des montagnes. Alors, venons-en au fait, comment je t'invite à activer la loi d'attraction? Eh bien, moi, je propose à mes coachés trois étapes. La première, c'est la demande, évidemment. Rien n'advient sans demande, sans intention précise. Donc, on va exprimer précisément et clairement son intention. Et je vais tout de suite te donner un exemple que j'ai appliqué à moi-même d'ailleurs. Si tu veux écrire un livre, si tu as envie un jour d'être publié, de devenir un auteur, c'est un souhait qui est partagé par beaucoup de monde. La demande que tu vas formuler, c'est « je veux écrire un livre ». Ça, c'est ta demande. « Je veux écrire un livre » ou alors « je veux être publié ». Tu vas préciser, tu vas déterminer clairement ta demande. La deuxième chose que je vais t'aider à voir et à faire, c'est la motivation. Alors là, je vais utiliser différentes techniques, mais aussi de la visualisation, du conditionnement positif pour te booster et prendre confiance en toi. Et puis par exemple, je vais t'inviter à te présenter chez tout le monde, chez tout un chacun, dans les dîners en ville comme on dit, et chez les gens que tu ne connais pas et ceux que tu connais, comme une auteure. Tu vas te présenter comme une auteure et tu vas dire... autour de moi, il y a qui veut l'entendre, mais que tu es en train d'écrire un livre et tu peux même préciser à quelle date il sera fini, ou dans quelle année, ou dans quel trimestre, ou dans quel mois. Voilà, donc deuxième point, la motivation. Et le troisième, c'est l'action, évidemment, le passage à l'action, tu l'as compris, c'est vraiment mon truc. Là, on va concrétiser les opportunités qu'on s'est sans doute ouvertes en témoignant et en communiquant autour de soi qu'on va devenir une auteure, qu'on est une auteure. Et on va les transformer en réalité. Alors, par exemple, dans mon cas, ça va être, je prends l'engagement d'écrire tous les jours pendant une heure, par exemple. Donc, demande, motivation, action, c'est les trois étapes qui sont évidemment ensuite proposées en sous-étapes avec des actions et des exercices concrets pour y arriver, pour les activer. Pour moi, et en conclusion, la loi d'attraction, c'est une invitation à croire en toi et à croire en tes rêves. Alors bien sûr, à condition de ne pas te contenter de l'énoncer passivement ou d'énoncer passivement un souhait, mais à condition de poser des actes. Pour t'aider à utiliser la loi d'attraction, j'ai formalisé une routine, tu sais que c'est mon truc la routine, une routine à répéter tous les jours pendant 21 jours. Je vais te montrer des pratiques simples, simples et concrètes, pour activer cette loi d'attraction et t'aider à mieux traverser les moments de doute et les phases difficiles comme celles que nous vivons collectivement en ce moment. Et bien sûr, je vais t'aider à te placer en énergie haute parce que c'est vraiment mon kiff et c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Bonne journée à toi et à très vite.